Bonjour monsieur, je suis l'officier de protection en charge de votre demande d'asile et madame est notre interprète aujourd'hui. Est-ce que vos frères et sœurs pensent à quitter la Syrie aussi? Est-ce que vous pouvez commencer à m'expliquer pour quelles raisons est-ce que vous avez quitté votre pays? J'avais été violée même, parce qu'ils ont su que j'étais lesbienne. Que l'histoire soit vraie ou pas, t'as quand même une décharge négative d'émotions par jour. Vous respectez mot pour mot les éléments de votre récit écrit. J'attends de vous des déclarations spontanées. Comment ça se fait que vous ne soyez pas parti, sachant que l'armée va attaquer ici, ne va pas laisser ça comme ça, va intervenir, va bombarder le village, etc. Donc, la chose la plus difficile, c'est de devoir rejeter une demande, parce qu'elle n'entre pas dans les critères. Officier du droit d'asile, c'est sur Public Sénat.